Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tracer ce qu'on appelle un diagramme de quartile Donc, un diagramme de quartile, euh, c'est quoi ben, C'est un outil qui va nous permettre d'analyser la dispersion ou la concentration d'un ensemble de données ou de comparer deux ensembles de données de même nature. Donc, dans le fond, ça va nous permettre de voir est-ce que les données sont euh, très rapprochées les unes des autres, si je peux dire ça comme ça, ou si elles sont éloignées les unes des autres. Je vais vous donner un exemple. Euh, souvent, on a tendance à euh, regarder la moyenne comme étant le principal indicateur d'un groupe. Euh, je vous donne un exemple, quand vous regardez vos résultats scolaires, bien évidemment, vous, ce à quoi vous allez comparer votre résultat, c'est la moyenne. Mais la moyenne, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? <coughs> oui, c'est bien évidemment, c'est un, un outil pour analyser des résultats ou une distribution statistique. Mais ce pas le seul, C'est pas le seul outil. Euh, si je prends uniquement la moyenne, je vais vous donner deux exemples vous allez comprendre ce que je veux dire. On pourrait avoir une classe où tout le monde a eu 60 un examen. La moyenne, dans ce cas-là, est de 60%. Mais tout le monde a eu 60%, non? L'enseignant pourrait venir à se questionner, en fait, sur les questions qu'il a posées. Peut-être qu'il a posé beaucoup de questions. 60% des questions étaient beaucoup trop simples et un 40% qui étaient beaucoup trop difficiles. Tu sais, cet outil-là peut nous permettre, en fait, si on est capable d'analyser les données, on va être capable, nous, en tant qu'enseignants, de plus ajuster nos évaluations. Alors que si on se fie uniquement sur la moyenne, bien, tout ce que ça nous dit, c'est que la moyenne est de 60%. Bon, ça, certains vont argumenter, c'est pas très fort. Là, là on n'est pas le sujet. Euh, mais je pourrais avoir par exemple un autre groupe dont la moyenne est également de 60%, mais je pourrais avoir la moitié des élèves qui ont 20%, la moitié des élèves qui ont 100%. Donc, dans les deux groupes, j'ai exactement la, la même moyenne. Pourtant, la distribution des données, elle est très très différente. Dans un groupe, tout le monde réussit, quelque part. Dans l'autre groupe, j'ai des résultats absolument catastrophiques et des résultats qui sont très bons. Donc, en fait, excellent. Euh, donc, il y a d'autres outils qui vont nous permettre d'analyser plus en détail des distributions statistiques. On a un groupe de données qui nous sont présentées. Euh, évidemment, le diagramme de cartil, c'est un outil que je n'ai pas vu très souvent, bien honnêtement. Ce n'est pas un outil que j'ai pu observer régulièrement dans la vie de tous les jours. Mais c'est quand même une façon visuelle de nous donner, un, 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 je pourrais dire, un point de vue rapide par rapport à une situation. Euh, donc, dans le fond, quand vous êtes capable de trouver les différents quartiles, tracer un diagramme de quartile est fort simple. Donc, voici un exemple de diagramme de quartile. Donc, il y a certaines informations là-dedans qu'on doit absolument retrouver. En fait, même pas besoin de les indiquer, tout ce que vous devez savoir, c'est que la, chacune des lignes, en fait, qui sont sur le diagramme, là, vous voyez, ça ressemble à une espèce de moustache. D'ailleurs, c'est souvent un terme que j'ai entendu pour l'identifier. On, on appelle ça un diagramme à moustache. Je trouve ça horrible comme nom, mais bon... Euh, donc, il y a euh, cinq, lignes, euh, cinq lignes verticales que vous voyez dans le graphique. On a deux petites lignes qui sont situées au début et à la fin du graphique. Ces deux petites lignes-là lignes représentent respectivement euh, le minimum et le maximum de ma distribution. C'est euh, pas le bon. Ici. Et les trois plus grandes lignes verticales représentent respectivement Q1, Q2 et Q3. Donc, quand vous avez été capable de trouver Q1, Q2 et Q3, bien, vous pouvez les placer facilement. Et après ça, euh, c'est uniquement d'être capable d'aller euh, tracer les lignes horizontales pour faire en sorte que s'il y a une boîte au, cent y a une boîte, pardon, au centre et que euh, on puisse euh, voir les lignes là, qui se dirigent vers le minimum et vers le maximum. Euh, maintenant, bon, là, il y a une flèche ici. J'ai comme l'impression que la flèche a été légèrement déplacée. En fait, vous voyez en bas, on a comme si on veut quatre sous-ensembles. Ces quatre sous-ensembles-là représentent chacun des quatre corps qui ont été créés par nos quartiles. Donc ici, j'ai le premier corps. Le deuxième. Là, je pas corps à chaque fois parce que je manque un peu d'espace. Donc on a le troisième. Et on a le quatrième quart. Donc, probablement qu'ici, c'était tout simplement pour indiquer que c'était des quarts. Et, et nous avons également là-dedans l'étendue interquartile. L'étendue interquartile, c'est la distance entre le Q1 et le Q3. Donc, ici sur le graphique, c'est représenté par la longueur de notre boîte ici. Ici, c'est l'étendue interquartile. Et voilà. Ce sont les différentes données qu'on va retrouver sur un diagramme de quartile. Évidemment, c'est important d'avoir également une droite numérique. Donc, vous remarquez en bas ici on a notre droite numérique qui était préalablement dessinée. Donc, comment est-ce qu'on trace un diagramme de cartil? Ben dans le fond, la, la partie la plus difficile, c'est de euh, trouver quels sont Q1, Q2 et Q3. Pour ce qui est du reste, ben, c'est uniquement d'être capable de tracer des segments de droite. Donc, ce n'est pas bien, bien compliqué. Alors, bon, ici, on vous a mis les étapes. Donc, je vais plutôt me concentrer à le faire avec vous. Donc, voici un, un, une liste de données. Donc, ici, j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 données. Donc on va commencer par les retrouver. Q1, Q2 et Q3. Bon. Première des choses, je vous rappelle Q1. Euh, Q2, pardon. C'est tout le temps Q2 qu'on veut retrouver en premier. J'ai tendance à dire Q1 parce que 1 vient avant 2. Hein. On veut tout le temps trouver Q2 en premier. Q2, je vous rappelle, on prend le nombre de données plus 1 et on divise par 2. Donc ici j'ai 11 données. Donc 11 plus 1. Divisé par 2, ça me donne 6. Je veux donc la sixième donnée. <coughs> en fait, bon, si je voudrais être même rigoureux avec ma façon mathématique d'écrire les choses, je ne devrais pas mettre égal à sixième, parce que c'est pas vrai, c'est pas vraiment égal. Ça signifie que je veux la sixième donnée. Donc ici, on veut la 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Donc c'est 11. On a donc Q2 ici. Donc la sixième donnée, c'est 11. Et bon, pour aller retrouver Q1, je vais aller retrouver le milieu, la première moitié. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 données. Donc ça va nous donner 5 plus 1 divisé par 2. Ça me donne 3. C'est la même chose pour Q3. Donc, dans le fond, ce que je veux, c'est la troisième donnée de chacune des moitiés. OK. 1, 2, 3. Donc, ici, j'ai Q1 qui est 7. 1, 2, 3. J'ai Q3 qui est 14. Mon minimum, évidemment, c'est 5. Au maximum, c'est 20. dans le fond, ici, là, les 5 chiffres qu'on voit ici, les 5 nombres, pardon, que dis-je, euh, ça va être les 5 endroits sur ma droite numérique où je devrais avoir un trait vertical. Donc, vous voyez ici en bas, j'ai déjà préalablement tracé ma droite numérique pour ne pas perdre trop de temps. Donc, je vais commencer par aller placer euh, mon minimum. Mon minimum est de 5. Je vais le tracer en noir. Okay. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire en couleur. OK, donc un petit segment vis-à-vis vis vis 5, et je vais faire un autre petit segment vis-à-vis vis 20. Oui, OK. OK. Maintenant, je vais aller placer trois traits verticaux un petit peu plus grands vis-à-vis vis 7, 11 et 14. Et voilà! Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, on complète. Oh boy! Le mieux possible, évidemment, étant donné que vous êtes sur un appareil électronique, c'est pas nécessairement évident. Ça, je vais être franc, c'est un graphique qu'on préfère faire à la main ou avec des logiciels informatiques plus appropriés. Bon, non, ça c'est raté. Ça c'est raté. Ah, peut-être que ça va être un petit peu mieux. Yes! Voilà! Ça s'est raté. A work. Voilà. Bon, ça ne devrait pas les Bon, je fais du mieux que je peux là. Vous m'excusez. Donc voilà à quoi ressemblerait mon euh, diagramme de quartile. Donc c'est pas bien bien compliqué que le vidéo précédent que j'avais déjà présenté là donc c'est pas vraiment plus compliqué que de uniquement retrouver les quartiles il faut uniquement les placer sur une droite numérique alors voilà Et non c'est pas la bonne chose qu que je fasse stop non